Bonjour à tous, bienvenue d'abord à toutes et à tous dans ce webinaire de l'Open Education Global version francophone pour 2 jours de webinaire sur énormément de thématiques liées aux ressources libres. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut-elle aider les ressources ouvertes? Donc, nous allons passer un temps ensemble avec l'intervention experte de collègues que je vous présenterai immédiatement après. Mais avant d'entrer dans les présentations et le début de ce webinaire, j'aimerais vérifier avec vous les fonctionnalités permises par la plateforme Livestorm. Tout simplement d'abord en vous indiquant que sur la droite de votre écran, vous avez un panneau avec les fonctionnalités d'échange et d'interaction, avec un chat, un onglet questions et éventuellement un onglet sondage qui sera mobilisé à plusieurs moments de ce webinaire potentiellement. Donc, ce que je voudrais vérifier avec les présents aujourd'hui que je salue, vous êtes 28 personnes connectées pour l'instant, c'est effectivement si le son et l'image vous parviennent bien. Donc, n'hésitez pas à répondre par le chat en indiquant que tout est OK pour vous ou est clair. Bienvenue de l'Université de Lorraine. Bon, ça a l'air de fonctionner pour la plupart d'entre vous. C'est OK, pas de souci. Donc, du coup, je vais regarder maintenant avec vous l'onglet questions. C'est l'onglet que nous utiliserons pour interagir, questionner, échanger avec nos intervenants qui sont présents. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'onglet questions et y rester d'une certaine façon pour poser les questions qu'on traitera au fur et à mesure de ce webinaire, en prenant les questions les plus votées, c'est-à-dire que si quelqu'un veut bien poser une première question un petit peu test, je vais vous montrer un petit peu comment on peut interagir et gérer ces questions-là avant de présenter les 3 intervenants. Donc j'attends une question sur l'onglet questions. Et j'en profite pour saluer Luis Galindo qui vient de nous rejoindre. Voilà, Isabelle Duchâtel, question test. Donc, vous voyez que sur cette question, à droite de la question, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, ça permet de voter la question. Et donc, ça nous donne une indication à nous, animateurs, de l'audience de cette question. Et ce sont sur ces questions que, prioritairement, nous échangerons et nous apporterons les réponses avec nos intervenants. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça pour l'instant. Vous connaissez un petit peu toutes les fonctionnalités. Et on va commencer ce webinaire en accueillant d'abord, bien sûr, nos 2 intervenants présents. Le troisième nous rejoindra un petit peu plus tard. Il est retenu sur une conférence ou en tout cas une réunion européenne thématique. Je crois que c'est un workshop. Donc, bienvenue à Lou et à Eric Chérel, 2 intervenants présents avec nous en ce début de webinaire. Alors, Lou Valgrin, ben vous avez fait vos études à l'ESSEC Business School. Vous êtes diplômé d'un master en innovation et entrepreneuriat social. Mais, particularité, vous avez aussi un master en analyse des données. Et vous avez très vite, en sortie d'école, si je puis dire, intégré un certain nombre de consortiums ou d'entreprises amenées à travailler sur l'autopartage, la gestion des déchets, par exemple. Et vous êtes plus récemment un membre éminent de Data for Good. Et vous allez nous présenter un certain nombre d'initiatives autour des ressources libres sur ces questions-là, et peut-être un focus sur une solution d'accompagnement à l'orientation qui s'appelle Impala. Eric Chérel, vous êtes bien sûr au CRI, fondé par François Taddeï. Vous portez de nombreux projets de transformation de l'éducation qui catalysent l'émergence d'une société apprenante grâce aux outils du numérique. Vous êtes ingénieur et mathématicien, ancien directeur des systèmes d'information du numérique de l'Université Paris-Descartes. Donc, bienvenue à vous deux. Je vais commencer par donner la parole à Eric et puis nous pour des présentations d'une dizaine de minutes à chaque fois et nous essaierons d'animer les échanges en répondant aux questions et en vous sollicitant par rapport aux questions des participants. Eric, c'est à vous. Je vous laisse la main. Merci. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de faire une partie assez brève pour qu'on puisse rentrer dans l'interaction entre les intervenants et avec le public le plus vite possible. Juste pour expliquer en quelques phrases ce qu'on fait au CRI,
Donc le CRI, c'est le Centre de Recherche Interdisciplinaire qui a été fondé par François Taddeï et Ariel Lindner, c'est deux chercheurs biologistes à la base. Et donc c'est un lieu assez particulier qui est à la fois une association de 1901, mais un département de l'Université de Paris également. Donc, qui est issu de la fusion de l'Université Paris-Descartes et l'Université Paris-Diderot. Et c'est quelque part, c'est un lieu d'expérimentation sur les nouvelles façons d'apprendre et sur la façon de créer des territoires apprenants. Donc, on y fait énormément d'apprentissage par la recherche, d'interdisciplinarité, d'apprentissage en mode projet, c'est vraiment très, très hands-on. Et on a des étudiants, en fait on a tous les âges, puisque ça va de la maternelle au lycée avec les aventuriers, c'est des accompagnements par des chercheurs de classe. On a même un baby lab pour les bébés, donc ça va vraiment de zéro à l'âge qu'on veut, puisqu'on a une licence, master, doctorat, et de la formation tout au long de la vie de divers types. Donc ça c'est le CRI, et une des forces du CRI aussi, c'est d'essayer de créer donc des nouvelles façons d'apprendre, mais de transformer l'éducation de manière globale en expérimentant vraiment des choses innovantes, et notamment avec le numérique. Donc on a plusieurs projets qui sont liés à l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. En général, les deux sont mixés. Donc parmi ces projets-là, je vais vous en présenter brièvement deux. Donc, je vais peut-être partager mon écran pour être un peu plus explicite. Un instant. Hop. Alors, j'espère qu'on voit bien mon écran. C'est parfait. OK. Alors, si je reviens au début de ma présentation. Donc, les projets du CRI autour de l'IA et de l'éducation ouverte. Globalement, on essaye de créer un écosystème de l'apprendre. Et il y a un petit peu trois dimensions sur lesquelles je voudrais insister aujourd'hui. C'est la dimension de connaître l'apprenant, finalement se faire reconnaître par autrui, faire valider ses compétences, mais aussi se connaître soi-même pour mieux apprendre. Qu'est-ce que je cherche à apprendre? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je connais? Et c'est des domaines où l'IA peuvent probablement aider. Ensuite, un autre domaine qui est vraiment autour du partage des ressources d'apprentissage. Comment je fais pour trouver les meilleures ressources d'apprentissage adaptées à mon profil particulier. Et là, de même, c'est un gros champ où l'intelligence collective et l'intelligence artificielle peuvent vraiment beaucoup apporter. Et le troisième point, c'est autour de l'intermédiation, la recommandation, pour finalement avoir un système qui permette de promouvoir les meilleures ressources pédagogiques pour chaque apprenant, lui trouver des mentors en fonction de ce qu'il cherche à apprendre, des co-apprenants, des opportunités professionnelles ou d'autres choses qui peuvent l'aider dans son parcours d'apprentissage au sens large, hein, c'est vraiment tout au long de la vie. Donc sur la reconnaissance, faire très simple, hein, c'est quelque chose que je présente assez souvent. Globalement, on a besoin de quatre dimensions de reconnaissance. On a la dimension classique des établissements scolaires ou universitaires, c'est la reconnaissance académique. Vous passez un examen, vous passez une certification, vous êtes reconnu par un jury, voilà, c'est une reconnaissance classique. Et il y a la reconnaissance par la réalisation, c'est finalement, vous pouvez être reconnu pour une compétence parce que vous êtes capable de faire quelque chose et vous l'avez démontré en réalisant un projet, un objet, en faisant un travail. Et dans beaucoup de métiers, en fait, cette reconnaissance-là est très importante. La reconnaissance académique, elle sert juste après votre sortie d'école, mais plus le temps passe, plus vous êtes reconnu pour ce que vous avez réalisé durant votre carrière. Ensuite, il y a la reconnaissance par les pairs, c'est-à-dire le réseau de collègues, par exemple, ou de clients, ou de gens avec qui vous travaillez, sont parfois les mieux à même de reconnaître votre compétence. Et c'est pareil, cette reconnaissance-là, elle est de plus en plus importante en prenant de l'âge et en ayant de l'expérience. Et la dernière dimension de la reconnaissance, c'est l'autodocumentation des apprentissages. C'est-à-dire, si je peux prouver que j'ai été à 50 conférences sur un sujet, que j'ai lu 300 livres et 200 articles, quelque part, c'est déjà une preuve de compétence qui n'est pas négligeable. Donc, un petit focus sur la déclaration de compétences. Là-dessus, au CRI, on a commencé à expérimenter des choses qui sont assez marrantes. C'est de permettre aux apprenants de décrire leurs compétences
à partir d'une base complètement ouverte qui est construite à partir de l'ensemble de Wikipédia. Donc là, par exemple, vous avez des exemples de choses qui, moi, m'intéressent et où je peux donner un niveau de compétence. Donc, c'est quelque chose d'assez, d'assez simpliste, mais vous voyez que j'aime la marche en montagne, la géographie, le développement agile de soft, le JavaScript, le management et d'autres choses. Mais je peux aussi dire où est-ce que je souhaite aller dans mes compétences. Par exemple, je peux dire que en technologie d'éducation, je suis au niveau compétent, mais je souhaite progresser cette année pour devenir expert. En quoi c'est lié à l'intelligence artificielle ? Bah, c'est qu'en fait, là, on n'est pas sur une base fermée de compétences, mais sur une base ouverte qui est construite à partir de l'ensemble de Wikipédia. Donc, si par exemple, je vais choisir une nouvelle compétence et je vais taper un mot-clé, par exemple ici, nombre complexe, bah, je vais avoir finalement un certain nombre de possibilités construites à partir de Wikipédia qui me seront présentées. Et donc, bah, Wikipédia comprenant des millions de pages, par exemple 6 millions de pages disponibles dans ce cas-là en anglais et 1 million en français, hein, à peu près, pour donner des ordres de grandeur, il y a très très peu de thèmes qui ne seront pas compris dans le système. Derrière, ça me permet une mise en commun en fait, de l'information. Puisque contrairement à une ontologie classique, même si elle est assez large, prenez par exemple l'ontologie des compétences de l'Union européenne, c'est 10 000 compétences de mémoire à peu près. Voilà, Wikipédia, c'est potentiellement des millions. Et si vous avez deux mots qui veulent dire à peu près la même chose dans l'ontologie des compétences de l'Union européenne, s'il n'y a aucun mot en commun, ce sera très difficile de trouver un lien entre les deux. Il n'y a aucune façon de voir la proximité entre deux compétences. Dans notre système, au contraire, comme on se base sur Wikipédia, on analyse Wikipédia de différentes façons. D'abord, à l'aide de machine learning, en fait de deep learning, où on utilise l'ensemble de toutes les données de Wikipédia textuelles pour construire finalement une matrice multidimensionnelle qui représente l'ensemble des champs de la connaissance. Et ça, c'est également enrichi derrière avec des données qui sont plus en réseau, les liens entre les pages, des ontologies internes à Wikipédia sur les catégories, les portails Wikipédia générés par des utilisateurs eux-mêmes, etc. Tout ça pour dire qu'on est capable de construire des sortes de cartes multidimensionnelles où on peut voir la proximité entre n'importe quel thème de la connaissance. Et un autre intérêt, c'est que Wikipédia est multilingue. Et du coup, par exemple, une page Wikipédia, très souvent, une page en français, elle a un équivalent en anglais, en chinois, en hindi. Et donc, on est capable de construire l'espace des connaissances dans l'ensemble des cultures et des langues du monde. Ce qui est évidemment impossible avec une ontologie classique. Là, vous avez une représentation graphique simplifiée. Donc, ça, c'est produit avec des outils de big data, où on voit par exemple le positionnement des compétences des gens au CRI, qui sont on voit pas random, pas aléatoire, parce que en fait, chez nous, il y a des gens qui sont dans la biologie, dans l'éducation, dans la technologie, et l'ensemble des compétences qui ont été déclarées par nos utilisateurs, ils vont se retrouver dans cet échelon-là. Donc à quoi ça nous sert tout ça? Ça nous sert à faire de la recommandation intelligente. Donc par exemple, si je fais une recherche de compétences comme ici arts martiaux, le système va me trouver les gens qui ont mis du judo, les gens qui ont mis du kendo, les gens qui ont mis du karaté, du krav maga, ce que vous voulez, à partir du moment où dans Wikipédia on peut voir qu'il y a une connectivité, ces éléments-là sont proches. Donc ces exemples de compétences où il n'y a aucun mot commun, mais où finalement, on est capable de voir qu'il y a un rapport entre ces compétences. Là, de manière plus académique, si vous cherchez gènes, par exemple, dans Wikipédia, bah, le système sera capable de trouver des gens qui font de la génétique, mais aussi des gens qui font du clonage moléculaire, parce qu'il sera capable de comprendre que c'est des choses qui sont similaires. Donc derrière, on a des systèmes qui nous permettent de lier entre eux des ressources pédagogiques et derrière de trouver des co-apprenants qui s'intéressent au même sujet, des mentors qui sont experts sur le même sujet. Et on peut lier ces systèmes-là avec des bases de projets. Donc c'est également, on réalise des systèmes qui permettent aux apprenants de décrire ce qu'ils apprennent et ce qu'ils réalisent comme projet.
Donc ça vient nourrir ces bases-là. Mais ça peut également être lié à des systèmes de parcours, par exemple d'anciens étudiants, donc de se lier à l'insertion professionnelle, de proposer les jobs qui nécessitent les compétences que vous avez ou vous souhaitez apprendre. Et tout ça en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, construire cette infrastructure commune, c'est une des ambitions qu'on a au CRI. Là, vous voyez donc pratiquement un écran de l'application WeLearn, où ici, par exemple, on peut chercher dans les ressources que moi, j'ai déclarées comme ressources d'apprentissage intéressantes pour moi. Donc, il y a les ressources des autres, mais il y a les miennes également. La cartographie qui représente les choses que les ressources pédagogiques que moi, je note comme intéressantes. Et si je fais une recherche dans ces ressources, qui stockage d'énergie, par exemple, j'ai des exemples de ressources que j'ai identifiées. Mais je peux aller, à terme, chercher dans les ressources qui ont été indiquées par des milliers de gens et analysées par du machine learning pour trouver des liens de proximité entre toutes ces ressources. Voilà dans les grandes lignes. Est-ce que je peux prendre encore 2 minutes pour faire une démo live ou est-ce qu'il vaut mieux que je presse la main? Oui, allons-y pour la démo en live et puis on passera à une présentation, à quelques échanges, puis à une présentation de Lou. Ok, donc très rapidement, si je vous montre par exemple ici un écran de WeLearn, donc on peut zoomer dans une carte globale de la connaissance, qui est donc une représentation simplifiée puisque ramenée à 2 dimensions de notre carto en 300 dimensions de l'ensemble des champs du savoir. Et puis, je peux aller chercher sur un sujet quelconque. Donc, par exemple, je ne sais pas, le réchauffement climatique. Je vais aller plonger dans la carte. Je vais taper, hop, et je peux voir des ressources qui vont remonter de différents utilisateurs sur le réchauffement climatique. Pratiquement, je peux voir les ressources de mon groupe de co-apprenants, de l'ensemble des gens qui utilisent WeLearn ou mes propres ressources. Ce que je vous montrais tout à l'heure sur les skills, donc si par exemple, là je vous montre par exemple une base de projet, la base de projet qui est construite par le CRI, donc où des milliers d'utilisateurs de CRI et de ses partenaires peuvent décrire ce qu'ils font. Donc, si je prends un projet quelconque, par exemple celui-là, c'est un des miens, il peut être décrit par un utilisateur qui dit que en quoi consiste le projet, faire un blog sur le projet, le localiser géographiquement, y associer des objectifs, des objectifs de développement durable. Hop, on peut faire un blog de projet. Et le projet, on peut y associer des mots-clés. Associé à Wikipédia. Donc, par exemple, si je dis que ce projet est en rapport avec la sécurité, par exemple, que s'il s'agit d'un problème. Je peux y taper sécurité et sélectionner un mot-clé qui sera traduisible en anglais et en chinois. Si c'est disponible. Hop, voilà, on peut voir le mot-clé sécurité. Et comme Wikipédia dispose en chinois d'une page sécurité équivalente, ben on peut le traduire. Et derrière, c'est lié à des cartographies géographiques. On peut analyser les projets d'éducation de milliers de gens de manière géographique, mais aussi conceptuelle. Et donc, aller voir les projets en rapport avec une thématique particulière. Donc là, le projet comment faire travailler ensemble des enseignants, des projets sur les open badge, des projets sur les skills, etc., etc. Donc ça vous donne des exemples de ce qu'on peut faire avec ce type d'outils. Voilà, donc je vais arrêter là, mais je pourrai répondre aux questions durant le reste de la conférence. Bah, peut-être une première question, Eric, en tout cas deux qui sont sur l'onglet. La première, c'est Vanda qui s'interroge sur la façon dont les ressources pédagogiques sont indexées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des normes pour l'indexation et la qualification des ressources pour les clusteriser?
Alors, en fait, nous, on a une vision déjà, il faut bien préciser que les ressources pédagogiques, on en a une vision qui est très large. C'est-à-dire que, il y a des ressources traditionnelles qui sont portées par les établissements et qui ont été bien indexées comme des ressources libres. Et évidemment, celles qu'on va prioriser. Mais par exemple, une vidéo sur YouTube d'un blogueur qui fait de la vulgarisation scientifique, ça peut être une excellente ressource, mais qui n'a pas été spécifiquement indiquée comme libre par son auteur, mais néanmoins qui est peut-être pour un apprenant individuel ou même pour une classe, hein, qui peut être la meilleure ressource pour un contexte particulier. Donc nous, la façon dont on les indexe, c'est on analyse le texte en fait des ressources. Et on projette ce texte dans notre moteur de deep learning pour trouver son positionnement par rapport à cet espace construit à partir de l'ensemble de Wikipédia. Voilà. Donc là, la réponse n'est pas vraiment non. On ne suit pas vraiment des normes reconnues pour l'interopérabilité. Par contre, nos systèmes, ils sont entièrement basés sur des API. Des échanges de fichiers JSON. Et donc, ils sont interopérables. À partir du moment où un outil quelconque utiliserait les identifiants des pages Wikipédia pour identifier des concepts associés à une ressource pédagogique, on serait capable de s'interopérer avec cet outil-là. C'est un peu l'enjeu qu'on promeut. D'accord, merci Eric, mais je crois que vous avez aussi répondu d'une certaine façon à une seconde question de François qui souhaitait y voir clair sur la distance, sur la différence entre les opérations de big data, clusterisation justement, et celles qui impliquent ou qui embarquent de l'intelligence artificielle, et vous avez évoqué la reconnaissance de texte en particulier. En fait, pour ceux que ça intéresse, on utilise des algorithmes qui sont proches du doc2vec. Donc c'est de l'analyse de corpus de texte pour les positionner donc dans un espace de haute dimension. Mais on ne fait pas que ça, c'est-à-dire qu'on fait aussi de la clusterisation derrière, en fait. Et par exemple, on utilise l'architecture de Wikipédia, comme je l'ai mentionné brièvement. Dans Wikipédia, il y a beaucoup d'utilisateurs qui créent des portails thématiques et qui nous servent en fait à identifier des liens entre concepts. De même, il y a dans Wikidata, il y a un certain nombre de liens entre les concepts, les articles, etc., qui peuvent être utilisés pour construire une vision des champs de la connaissance plus fine. Très bien, merci Eric. D'autres questions commencent à arriver sur le lien entre cette technologie, cette interface, cet outil et puis les ressources libres et ouvertes. On y reviendra juste après sur les échanges avec nos différents intervenants. Nous accueillons avec plaisir Colin qui nous a rejoint, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais je vais en profiter pour le faire immédiatement. Colin de la Higuera, vous êtes professeur à l'Université de Nantes et vous avez la chaire UNESCO en ressources éducatives libres, justement. Mais vous êtes aussi chercheur en intelligence artificielle et vous faites partie du projet X5 GON. Vous nous expliquerez ce que cet acronyme signifie et vous allez d'ailleurs nous le présenter tout à l'heure. Mais dont le but est de placer, on va dire, l'intelligence artificielle au service des ressources éducatives libres, en permettant de mieux les indexer et de disposer de moteurs de recherche pour les recommandations. Merci Colin d'être présent. Je vais maintenant proposer à Lou Velcrin probablement d'intervenir pour une présentation à la fois de Data for Good, une émanation, on comprend bien, de Tech for Good, et puis sur une présentation peut-être plus ciblée d'une initiative qui concerne l'accompagnement en orientation. Impala, je vous laisse la parole, Lou. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là et d'intervenir du coup après Eric, parce que le projet WeLearn, c'est un des projets qu'on a accompagné par le passé avec Data for Good. Du coup, je veux bien avoir accès à mes slides, si possible. Je sais Tout à pas fait, comment. elles arrivent tout de suite. Génial. Donc du coup, moi, je suis là dans un cadre un peu plus large pour présenter l'association dont je m'occupe, qui s'appelle l'association Data for Good, qui est une communauté de data scientists, développeurs, et un peu tous les métiers de la tech qui sont bénévoles et donnent de leur temps pour accompagner des projets à impact sociaux et environnementaux. Et dans ce cadre-là, on a
on a plusieurs fois accompagné des projets en lien avec l'éducation, mais également des sujets un peu plus larges sur les enjeux de l'éthique dans l'intelligence artificielle pour recouper de manière générale avec les risques aussi du développement de ce type d'initiative. Donc, pour vous présenter un peu mieux l'association, on poursuit vraiment trois objectifs. Le premier qui est de rassembler des citoyens experts de la donnée qui souhaitent s'engager sur des projets sociaux. Le fait aussi de sensibiliser les acteurs de la société civile aux enjeux liés à la donnée, donc au travers de talks, d'événements communautaires, etc. Et surtout de proposer des solutions concrètes, innovantes et pérennes grâce à l'analyse de données. Et ça, je vous expliquerai un peu mieux dans un instant à quoi ça correspond. Donc, Data for Good, c'est une association qui existe depuis plus de 5 ans et on a déjà accompagné une soixantaine de projets. Donc, la manière dont on fonctionne, c'est que on organise des saisons d'accélération qui durent 3 mois. Donc, on en organise en général 2 par an, où on identifie juste pour vous montrer un peu comment ça se passe, on identifie par saison une dizaine de porteurs de projets qui manquent de ressources techniques ou financières pour pouvoir développer des thématiques liées aux données. Et donc, on passe un certain temps à les sélectionner, à identifier avec eux leurs problèmes et à détourer un projet qui pourrait être soumis à des bénévoles. On leur permet ensuite, pendant une journée de lancement, de présenter ces projets devant environ 250 bénévoles qui ont envie de s'engager pour les 3 mois à venir. On laisse les bénévoles choisir à la fin du pitch quel projet ils ont envie d'accompagner. Et ensuite, tous les mercredis pendant 3 mois, les bénévoles vont se regrouper et donner entre 4 et 12 heures de leur temps pour permettre à l'association ou à la start-up d'intérêt général de résoudre la problématique data qu'elle avait initialement formulée. Donc, pour que ce soit un peu plus concret et que vous voyez un peu le type de projet qu'on a pu accompagner, surtout en lien avec l'éducation, je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle Impala, qui est un des premiers projets qu'on a accompagné chez Data for Good, et dont l'objectif est d'aider les collégiens et les lycéens à choisir leur orientation professionnelle. Donc, en fait, c'est une startup sociale qui aide les jeunes à construire leur parcours en se posant les bonnes questions. Donc, l'objectif, c'est un peu de mélanger les data science avec les sciences sociales, la psychologie, la sociologie et les neurosciences pour résoudre 2 objectifs. Le premier, c'est d'aider les jeunes à répondre à 3 questions fondamentales pour qu'ils sachent qui ils sont et ce qu'ils ont envie de construire. C'est-à-dire vraiment découvrir pourquoi ils ont envie de se lever le matin et les aider à construire un processus de réflexion pour qu'ils n'empruntent pas les réponses des autres, mais construisent leurs propres réponses. Et le deuxième objectif, c'est vraiment d'aider les accompagnants à les accompagner mieux, du coup, en leur permettant de pouvoir suivre leur parcours et de mettre en place les accompagnements les plus personnalisés possibles. Je voulais vous mettre une petite vidéo, mais du coup, je pense qu'on peut pas cliquer sur les slides en PDF. Donc, c'est pas grave. Je voulais également vous montrer du coup une carte des métiers qui est un des premiers, qui est essentiellement le projet sur lequel on les a aidés. Et donc, du coup, la carte des métiers, elle permet vraiment de se projeter dans tous les différents métiers qui existent. Elle est organisée en code couleur en fonction des centres d'intérêt. Et elle permet en fait aux étudiants et aux collégiens lycéens de se projeter en fonction de leur centre d'intérêt parmi tous les métiers qui existent. Elle permet, lorsqu'on identifie un métier qui nous plaît, de cliquer dessus, de découvrir sa fiche métier, de découvrir la description du métier, le salaire, le nombre d'années d'études pour y arriver, les études qu'il faut faire et de mettre en lien directement avec les écoles. Et donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir se projeter de manière interactive et de découvrir
parmi plus d'une dizaine de parcours différents pour permettre aux jeunes de structurer leur réflexion de manière méthodologique et ludique. Donc là, l'idée, c'est vraiment du coup de mettre l'intelligence artificielle au service de l'accompagnement. Et du coup, pour les accompagnateurs, comme je vous disais, un suivi individuel qui permet vraiment de suivre et du coup de personnaliser l'accompagnement. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, mais peut-être que du coup on en parlera plus tard et je vais peut-être moins rentrer dans les détails. C'est un projet qui s'appelle Substrat Fondation. Et là, l'objectif, du coup, c'est beaucoup plus de partir du principe qu'aujourd'hui, il y a une tension grandissante entre l'intérêt pour les techniques d'intelligence artificielle et les craintes qu'elles suscitent. Et donc, la nécessité de créer un référentiel d'évaluation d'une data science qui soit responsable et engagée, et donc travailler à la méthodologie, une méthodologie qui permette aux entreprises de s'auto-évaluer sur plein de différents critères. Ça fournit une sorte de score synthétique sur 100 pour savoir à quel niveau de maturité on est sur son éthique et son approche responsable et de confiance de la data science. Donc, c'est pas directement lié à la pédagogie, mais je trouve que c'était intéressant de le mentionner parce que forcément, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi d'éthique et d'approche responsable. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de mentionner ce projet ici. Merci beaucoup Lou. Effectivement, la question du contrat de confiance finalement, et puis du niveau d'acceptabilité que le public peut porter auprès de l'intelligence artificielle ou de ces technologies embarquées est un sujet essentiel. On aura l'occasion d'y revenir. Je propose peut-être à Colin maintenant de procéder à une présentation, en particulier peut-être du projet X5GON. Je ne sais pas si je le prononce correctement d'ailleurs, mais vous me corrigerez. Une autre approche européenne d'un projet sur ces questions-là, c'est à vous, Colin. Bonjour. Donc là, je vais partager mon écran. Donc on va dire que ça va marcher. Autorisé. Alors, je partage. Alors, ça ne fonctionne pas, me semble-t-il, puisque vous devez. Il y a une mise en abîme de l'image, là. Il y a une. Voilà, ça va marcher avec ça. J'aimerais bien mettre ça en premier rang. Et si je mets ça comme ça, là, ça ne marche pas? Alors, essayez à nouveau. Qu'est-ce que vous voyez? Non, on voit rien pas. De particulier. Sinon, je vous ai envoyé les slides par mail. D'accord, ben je vais les intégrer dans ce cas, si vous me les avez envoyés. Effectivement. Je vous ai envoyé. Donc, pendant ce temps-là, je vais m'excuser d'être un petit peu en retard. Alors, un des problèmes de ces nouvelles technologies, c'est qu'on ne peut même pas dire qu'il y avait une panne sur la ligne 13. D'accord ? Donc, on est juste confronté au fait qu'on a essayé de faire deux choses en même temps. Donc, je vais effectivement vous parler d'un projet qui est européen, qui s'appelle X5GON, et qui est parti d'un constat qui est que les ressources éducatives libres, dont il est quand même beaucoup question sur ces deux jours, ont, au-delà des obstacles habituels de type juridique ou de type politique, de type économique, ils ont aussi des obstacles technologiques. C'est-à-dire que finalement, ça ne marche pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas si bien que ça à les trouver, on n'arrive pas si bien que ça à les construire, on n'arrive pas si bien que ça à les partager. Et donc, le projet en question, X5GON, s'attaque à une de ces questions qui est est-ce qu'on est capable de pouvoir les trouver, de trouver celles qu'on veut. Et puis, une fois qu'on a convaincu les gens qu'on pouvait les trouver, ce sera sans doute plus facile d'avoir envie ensuite de les partager. Alors, est-ce que j'ai mes slides quelque part? Non, je vous demande encore deux petites minutes, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un projet, comme ça j'irai plus vite sur un ou deux points.
Donc, c'est un projet qui va donc faire grand appel à l'intelligence artificielle, d'où aussi le titre de ce workshop ou de cet atelier, pour pouvoir résoudre en amont toute une série de problèmes dans le traitement des ressources. Donc, on a vu avec Eric qu'eux le faisaient aussi, c'est-à-dire ils utilisaient un espèce d'alignement sur Wikipédia pour pouvoir finalement faire comprendre à la fois les ressources et les personnes, les compétences étant en commun. Donc on peut faire un travail en amont et puis on peut faire un travail pendant. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des ressources dites intelligentes accessibles par pas mal de gens, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour accéder à ces ressources. Pour y accéder, donc par exemple en faisant quoi ? En ayant un moteur de recherche qui soit plus que simplement en train de travailler sur quelques mots-clés. Et puis, vous pouvez aussi avoir un moteur de recommandation. Donc, un moteur de recommandation ou un système de recommandation, c'est un système qui va se baser sur votre expérience passée, sur ce que vous ou le groupe de gens avec qui vous êtes est en train de faire pour pouvoir travailler. Alors, je vais essayer, en absence de tout ce qu'on a fait là, si on a réussi à perdre notre manager. Donc, je vais essayer de faire autrement. Si je fais comme ça, partager un écran entier. Et puis là-dessus. Alors, est-ce que Eric ou Lou, vous pouvez me dire si les gens voient mes slides ? Il faut que tu changes. Non, là, on voit. On voit ton écran, mais du coup, c'est pas. On voit juste l'écran de Lightstorm. On voit juste mon écran. C'est embêtant d'avoir fait plein d'heures de répétition, ça ne marche pas. Tu peux partager un onglet directement de ton navigateur, Colin. Oui, mais c'est pas sur un navigateur. Est-ce que là, tu as tes slides en plein écran sur ton ordinateur ? En ce moment, c'est ça qu'il faudra faire. Moment, oui. Il faut afficher tes slides sur ton ordi. Là, je les ai. Ah, non, on ne les voit pas. Si tu as peut-être deux écrans, si tu as deux écrans, passe-le sur l'autre. On voit ton écran avec Lightstorm, en fait. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, allez, on va faire avec ça. Ah, merci beaucoup. Ça marche ? Oui. OK. Voilà, donc, c'était cette idée-là. Donc, je vais aller... Je vais essayer de voir si... Alors, est-ce qu'il bouge ? Oui. Ouais. Donc voilà, donc les enjeux, c'est de dire qu'il y a plein de ressources éducatives libres, qu'ils ont toutes sortes de formats, des PDF, des vidéos, des choses comme ça. On a toutes les langues possibles et inimaginables, on a tous les sujets, plein de plateformes, et c'est culturellement différent, puisque un enseignant en Afrique, aux États-Unis, en France ou en Italie, n'a pas nécessairement la même culture et la même façon d'enseigner. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 paramètres et X, c'est Times pour 5 fois. Donc, Global Open Education Network. Voilà les raisons du titre. Donc, le but, c'est de faire quoi ? C'est de ramasser, de récolter toutes ces ressources, de les travailler avec l'intelligence artificielle. Et une fois qu'on les a travaillées avec l'intelligence artificielle, de proposer des interfaces qui permettent d'avoir un accès à ces ressources. Alors, on a 3 interfaces. Une interface API, qui permet aux développeurs de travailler, une interface plutôt pour les apprenants eux-mêmes, pour aller quelque part et pouvoir apprendre et donc avoir accès aux différentes ressources en tant qu'apprenant. Et enfin, une interface Moodle, puisque Moodle est quand même un outil qui est utilisé par énormément d'enseignants, donc pour pouvoir réutiliser ça à l'intérieur de nos cours. Oops. Donc, X5GON, c'est un certain nombre d'universités en Europe. Je mets quelques noms et donc on a justement quand même l'université de Nantes qui en fait partie. Donc, la collection qu'on a, c'est une collection avec déjà en ce moment 120 000 ressources sur une vingtaine de répertoires, 25 langues déjà. Et ça permet de à la fois visionner et puis de passer entre ces ressources, quelle que soit la langue.
sur l'exemple d'Eric de tout à l'heure, il a bien mis en avant comment des objets comme Wikipédia permettent finalement de relier des objets qui sont dans des langues différentes à travers le fait qu'ils ont par exemple les mêmes concepts Wikipédia en commun. Donc là, il y a un moteur de recherche qu'on aurait pu tester, mais j'ai déjà perdu trop de temps avec mes petits bidouillages pour vous faire de la démo, et qui permet de faire de la recherche. Bien entendu, on peut aussi dire « je n'ai pas la capacité de comprendre toutes les langues, donc je veux limiter uniquement à chercher en français ». Alors voilà un peu peut-être le transparent important, c'est celui où on voit l'IA. Et alors donc où l'IA dans un projet comme celui-là, en fait à la fin du projet on ne la voit pas. Ça c'est une des caractéristiques de l'IA, c'est que ce n'est pas nécessairement si spectaculaire que ça. Quand on utilise un moteur de recherche à la fin, on ne voit pas qu'il y a eu de l'IA partout. Alors l'IA elle a été où? L'IA elle peut avoir déjà été au départ, au moment où on fait du... Alors j'ai décidé de laisser les trucs en anglais, je sais bien que c'est une conf francophone, mais j'aurais fait du franglais pour pouvoir traduire certains de ces termes. Néanmoins, bon, pour aller faire la recherche des informations et la gestion de cela, finalement, c'est l'endroit où il y a le moins d'IA. Mais maintenant, quand vous récupérez une vidéo quelque part, il vous fait faire une opération qui est celle de récupérer le texte de la vidéo, parce que vous n'allez rien faire sans. Donc, ça veut dire faire de la transcription, et ça, c'est de l'IA. Faire de la traduction, et ça aussi, c'est de l'IA. Alors, quel est l'intérêt de faire de la traduction? Ne serait-ce que pour obtenir des sous-titres, pour que des gens puissent voir la vidéo dans leur propre langue. Mais c'est aussi pour permettre les alignements entre les différentes ressources. Donc, une fois que vous avez ramené vos ressources, que ce soit des PDF, des vidéos, ou ce que vous voulez, à texte brut, vous pouvez commencer à faire de l'analyse sémantique. Donc, de l'analyse sémantique, c'est du traitement automatique de la langue dans lequel vous allez chercher toute une série de choses plus ou moins riches. Ça peut être la détection de mots-clés, ça peut être de la détection de thèmes. Nous, on fait un travail là aussi d'essayer d'aligner un cours sur un vecteur de finalement de concepts Wikipédia pour savoir quels sont les concepts les plus importants, y compris dans le temps. Ce ne sont peut-être pas les mêmes concepts en début de ressources et en fin. Et donc, vous pouvez comme ça, sur les ressources, construire des modèles à partir de machine learning et donc d'intelligence artificielle de plus en plus riches. Vous pouvez détecter la difficulté d'un cours. Est-ce qu'il s'adresse à des enfants? Est-ce qu'il s'adresse à des adultes? Vous pouvez détecter la difficulté relative d'un cours, c'est-à-dire vous avez deux cours qui parlent de la même chose. Lequel semble le plus simple? Lequel pourrait donc être regardé avant l'autre? Donc, vous pouvez détecter aussi, alors ça, c'est dangereux, mais c'est des choses qu'on nous demande, la qualité. Donc, essayez de voir si un certain nombre de concepts qu'on associe à la qualité sont présents ou pas dans le cours. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire garder à la fois les ressources et aussi, bien sûr, tous les index basé sur l'IA que vous avez construit, pour que quand on fait de la recherche, on puisse utiliser tous ces critères qui ont été calculés pour pouvoir faire de la recherche, disons, intelligente. Alors, la recherche, ça se fait avec des interfaces. Donc, j'ai dit qu'il y en avait plusieurs. Donc, c'est un projet ouvert, ce qui permet à d'autres équipes d'utiliser les mêmes ressources. Et donc, on a développé beaucoup d'API ouvertes pour permettre à la fois des hackers, mais aussi à des hackathons de s'organiser pour pouvoir justement se dire faisons travailler les étudiants ou faisons travailler des gens sur ce genre de choses-là. Donc ça existe déjà, donc il y a toute une série de liens qu'on donne ici, je pourrais mettre les slides à disposition bien sûr, et qui offre aussi la possibilité de faire appel à la communauté pour avancer, pour profiter de ces ressources pour faire des choses. Bon, ensuite, vous avez un outil qui s'appelle X5Learn. Ça, c'est peut-être l'outil le plus spectaculaire ou le plus simple d'approche pour l'utilisateur lambda, c'est-à-dire c'est fait pour les apprenants tout au long de leur vie. Donc, on est sur des gens qui veulent utiliser toutes ces ressources éducatives libres qui existent sur Internet pour pouvoir continuer à apprendre. Donc, je pense que c'est totalement en parallèle avec ce que racontait Eric tout à l'heure.
Donc, les gens vont aller sur cette plateforme. Il faut s'inscrire, mais c'est une inscription bien sûr gratuite et c'est le but, c'est juste des questions de sécurité. Et donc, à partir de ce moment-là, on navigue de manière intelligente à l'intérieur de ces ressources pour pouvoir se construire d'une certaine manière son parcours d'apprentissage, y compris se construire une playlist, l'équivalent qu'on pourrait faire en musique, de ressources qu'on a envie de regarder plus tard ou de recommander à quelqu'un d'autre. Créer sa playlist, c'était ce que je viens de dire. Et puis, le troisième outil, qui est un outil qu'on développe en particulier depuis Nantes, c'est on imagine qu'un enseignant sur Moodle peut avoir envie d'intégrer ce genre d'outils pour pouvoir là aussi envoyer ses étudiants sur des ressources éducatives libres pour venir compléter son cours. Alors, ça oblige à faire de la technologie, qui marche avec Moodle. Et donc ça fait partie aussi de ce qu'on a été en train de faire récemment. Voilà. Donc, ma conclusion là-dessus, mais je répondrai à des questions, et si tout à l'heure il y a du temps, je ferai une démo, mais ma conclusion, c'est que Xangon, c'est une collection qui, on espère, va augmenter en taille, de ressources éducatives libres, et puis des interfaces qui nous permettent donc d'aller chercher ce qui s'adresse aux développeurs, aux apprenants et aux enseignants. Et donc, il y a de liens un peu partout. Et c'est ça ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir commencer à faire ce genre de projet, c'est pas une seule grande IA spectaculaire, c'est plein de morceaux d'IA, plein de projets d'IA qui vont venir se coller les uns aux autres pour pouvoir, effectivement, permettre de, on espère, gagner du temps. Voilà. Merci. Merci Colin pour cette présentation exhaustive. Je profite de la présence de nos trois intervenants, Eric, Lou et Colin, en simultané pour poser une question qui a été abordée par vous trois d'une certaine façon et qui réfère plutôt à est-ce que l'IA dans les ressources libres est véritablement un outil qui augmente, qui enrichit les possibilités de formation tout au long de la vie dans un premier temps, parce que peut-être que la réponse est affirmative, mais il faut bien essayer de comprendre en quoi ça enrichit ses possibilités. Puis deuxième niveau de question sur l'intermédiation que tous ces systèmes procurent ou proposent, en quoi cette intermédiation, là encore, va en précision sur le besoin des apprenants. Alors, je ne sais pas à qui j'adresse cette première question, mais peut-être Colin qui vient de terminer, et puis Eric et Lou dans un second temps sur l'accompagnement en orientation. Donc, sur la première question, probablement celle sur laquelle je vais rester, c'est la réponse n'est pas encore. Donc, la première info, c'est qu'il y a énormément de ressources éducatives libres. Il y a un matériel colossal mis à disposition. Il y a aussi, comme l'a souligné Eric, tout ce matériel que les gens aimeraient bien rendre libre, mais qu'ils n'ont pas rendu libre parce qu'ils n'ont pas compris et que finalement, ils n'ont pas la bonne licence. Mais c'est du matériel qui est libre, on va dire, dans l'intention. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut gérer. D'accord, ça veut dire que justement, va falloir aussi aider les gens à s'approprier le système des licences pour pouvoir partager plus facilement. Donc, le matériel existe. Par contre, les outils pour aider les apprenants n'existent pas. Donc, vous pouvez effectivement avoir un système qui vous aide ponctuellement en utilisant juste un catalogue de ressources. Mais si on veut pouvoir profiter de toutes les ressources, on a besoin de systèmes un peu plus ambitieux comme des systèmes comme WeLearn ou comme Xangon, avec encore d'autres ambitions à aller chercher. En particulier, pour l'instant, on peut recommander une ressource à la fois. Les gens, s'ils veulent apprendre tout le long de leur vie, vont plutôt avoir besoin de se projeter dans le temps et de dire « mais j'ai envie d'y passer 6 mois, donc il va falloir me proposer plusieurs ressources qui viendraient les unes après les autres pour pouvoir finalement construire ça, et sans qu'il y ait un curateur humain qui fasse le boulot à la place. » Alors ça, on est bien sûr en plein IA là-dessus. Je peux peut-être compléter. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas tant l'existence des ressources, parce que quel que soit le sujet, si vous tapez le nom de ce que vous cherchez à apprendre dans YouTube ou dans Google, vous allez trouver des millions de réponses potentiellement. Mais c'est d'avoir des données, des ressources qui soient qualifiées. Donc l'IA, elle peut nous aider, à la fois l'IA et l'intelligence collective, mobilisées ensemble, elles peuvent nous aider à bien qualifier les ressources. Et ça, c'est un point critique. Sur après, la construction de parcours d'apprenants, et là, c'est un enjeu qui est beaucoup plus complexe, effectivement. Ce n'est pas juste vous donner la ressource ou un gros paquet de ressources adaptées à votre profil, mais c'est comment les ordonnancer dans le temps, comment créer un parcours qui est de la cohérence. Là-dessus, c'est vraiment un champ de recherche
important, que, à mon avis, qui est quand même encore à balbutiant, mais avec beaucoup de données, on peut, par exemple, si on sait que les apprenants nombreux qui partaient de tel endroit et voulaient aller à tel endroit ont un taux de réussite et arrivent plus rapidement en passant par tel et tel type de ressources et avec un ordonnancement des concepts dans tel ordre, on peut imaginer que les IA avec suffisamment de data puissent vraiment vous aider à construire un parcours adapté spécifiquement à votre personnalité, à ce que vous savez déjà, c'est là où vous venez. Ce qu'on appelle adaptive learning, aujourd'hui, il est encore très, très manuel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un arbre de compétences et de connaissances qui est construit par des enseignants. Mais à terme, avec suffisamment de données, on pourrait carrément éliminer cette approche manuelle et uniquement avec de la data être capable de construire à la volée des parcours. Mais pour ça, il faudra du recul et surtout beaucoup, beaucoup de données, en fait. Merci Eric. Est-ce que Lou, vous souhaitez sur cette question-là oui. intervenir Mais moi, je voulais juste élargir un tout petit peu plus, pas que sur la question des ressources, mais aussi de l'accompagnement. En fait, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut aussi intervenir à d'autres endroits du parcours pédagogique. Donc, je pense par exemple au fait de faire gagner du temps. Donc, je pense à un projet qu'on a fait avec Article 1 qui accompagne des élèves en difficulté qui viennent de milieux défavorisés afin qu'ils soient parrainés par des marrains et marraines. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, ils faisaient à la main le matching entre les parrains et les élèves pour leur permettre, enfin pour que les élèves aient des parrains qui leur correspondent. Mais plus ils ont grossi et plus ils ont eu besoin, en fait, enfin ça leur prenait du temps. Et finalement, nous, on les a aidés à construire un algorithme qui permette de matcher les élèves avec les parrains afin qu'ils puissent gagner du temps. Et en fait, enfin, mettre le temps qu'ils ont dans des projets qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée, comme vraiment accompagner concrètement les gens. Et le deuxième point que je voulais dire, c'était aussi que l'intelligence artificielle peut également aussi aider les accompagnants à mieux accompagner. Et je pense par exemple à la création de contenus pédagogiques en ligne. Donc, il y a pas mal de startups un peu sociales dans les EdTech qui utilisent de l'intelligence artificielle et des découvertes en sciences cognitives et comportementales pour créer des interfaces qui permettent à des professeurs de créer de manière très simple des contenus en optimisant les dernières connaissances dans les neurosciences. Et donc, je pense que l'intelligence artificielle peut vraiment intervenir à plein de niveaux différents et pas uniquement sur les sujets de ressources. Ouais. Merci Lou. Je rappelle à nos auditeurs, si je puis dire, qu'ils peuvent poser des questions sous l'onglet questions. C'est plus pratique que de checker le chat à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à le faire sous l'onglet questions. En attendant de prendre une question supplémentaire, en évitant les questions trop techniques hein, qui nous parviennent aussi parfois, on y répondra dans un second temps, je pense. L'ensemble de ce que vous avez présenté, finalement, modifie l'acquisition de compétences à la fois des élèves, des étudiants, mais aussi des enseignants et des accompagnateurs. C'est à la fois plus d'autonomie, à la fois plus on sort du cadre formel pour y revenir. Comment vous voyez, en tant qu'expert et entrepreneur ou promoteur d'un certain nombre de solutions, ces nouvelles compétences qui sont embarquées finalement dans les solutions que vous proposez? Alors peut-être Colin dans un premier temps et puis Eric et Lou ensuite. Oui, alors c'est un peu pour ça que j'avais mis en avant qu'il y avait trois interfaces pour nous. C'est-à-dire que quelque part, les solutions ou la raison de rendre plus fluide la circulation de l'information de type éducatif, elle obéit à plein de publics différents. Ça peut être un public individuel, effectivement, le lifelong learner, la personne qui a envie de continuer à apprendre à 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui n'est pas obligée de s'inscrire quelque part. Donc ça, c'est un public, ça c'est très bien.
On a aussi les universités elles-mêmes, et c'est pour ça qu'on a essayé de faire des choses à l'intérieur de Moodle, pour que dans les outils que les institutions ou les écoles vont utiliser, eh ben, elles puissent là aussi proposer des accès à des choses dans des cadres qui seront, on va dire, pédagogiquement recontrôlés par les enseignants. Et puis enfin, eh ben, il y a plein d'autres idées, et c'est pour ça qu'on a développé des API, c'est pour que des gens qui arriveraient avec des idées de nouveaux produits, mais pourraient effectivement se dire, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la data enrichie par l'IA, qu'est-ce que je pourrais bien en faire ? D'accord, donc à la fois de nouvelles compétences, mais aussi une revisite des intentions pédagogiques rendues nécessaires. Oui, là, en tant qu'enseignant, par exemple, je suis en train d'essayer en ce moment l'outil Moodle, et ce que je propose à mes étudiants, eh ben, c'est de s'appuyer les uns sur les autres pour utiliser un moteur de recherche partagé. C'est-à-dire que quand un étudiant trouve une ressource et qu'il la trouve intéressante, le reste du groupe va aussi la trouver, voir que quelqu'un l'a trouvée intéressante. Et donc, la ressource va un petit peu monter en popularité. Et donc, des ressources qui peuvent accompagner le cours, ben, les étudiants sont finalement en train de créer cette recommandation entre eux. Voilà. Donc, ça donne des nouveaux scénarios pédagogiques. Merci, Colin. Est-ce que Eric ou Lou, vous souhaitez, sur cette question des compétences et puis de la transformation des comportements pédagogiques, voire des programmes, puisque c'est aussi une question qui se pose, est-ce que les programmes s'adaptent à ces solutions, à ces nouvelles façons d'accéder au savoir et de le traiter ? Est-ce qu'une intervention de l'un ou de l'autre ? Je peux commencer éventuellement. Au CRI, en fait, on essaye vraiment d'avoir des programmes où les étudiants sont acteurs de la construction du programme pédagogique. Donc, c'est au-delà de l'IA, hein, c'est dans l'ADN de nos programmes pédagogiques. Donc, du coup, à la fois dans le partage de ressources, comme le mentionnait Colin, que les ressources les plus populaires, les plus efficaces, elles remontent et elles soient partagées. Et là, des outils comme WeLearn, ça peut clairement aider ça à une échelle beaucoup plus large, puisqu'on n'est pas limité juste à son petit groupe d'apprenants local, mais aussi à construire les objectifs du cours, voire à choisir des intervenants eux-mêmes. Donc ça, c'est une chose qu'on essaye de faire. Alors, l'IA, pour l'instant, elle n'intervient pas tellement dans ce processus-là. Là où elle peut intervenir de manière intéressante, c'est aussi, par exemple, dans la lutte contre le décrochage scolaire. Si on a suffisamment de data de la participation des élèves, des interactions qu'ils ont avec des outils numériques, on peut anticiper avec de l'IA les élèves qui sont le plus en danger, par exemple. Donc, ça fait partie des outils que, là, pour le coup, nous, on n'expérimente pas, mais je sais qu'il y a différents acteurs de l'éducation qui travaillent avec ces outils-là. Et typiquement, toujours pareil, plus on a de données, plus ça sera efficace, quoi. Donc, sur des très grosses cohortes, par exemple, sur des MOOC, etc., on peut très bien prédire quels sont les élèves qui arriveront au bout ou pas très rapidement, en fait. Merci, Eric. Est-ce que Lou, sur cette question, vous souhaitez intervenir ? Oui, je pense que je vais peut-être un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis d'accord que sur la partie compétences, il y a vraiment le fait de rendre les étudiants actifs, et c'est un peu ce que j'ai présenté dans le projet Impala, c'est-à-dire que l'idée, c'est un peu de pouvoir permettre de construire son propre parcours, avec la problématique aussi du coup de... cette personnalisation qui permet aussi du coup de mieux accompagner et un peu comme le disait Eric, d'anticiper les besoins en prédisant. Et par exemple, sur la problématique d'Impala, c'est pouvoir suivre le parcours individuel de réflexion d'orientation scolaire et proposer des entretiens, des rencontres beaucoup plus personnalisées en fonction de ces réponses là. Et ensuite, je pense qu'il y a une problématique aussi du coup sur une compétence essentielle à acquérir et à développer sur le fait de pouvoir naviguer au sein des ressources et d'arriver à identifier finalement quelles sont les bonnes. Et je trouve que du coup l'enjeu de recréer des micro-réseaux apprenants, un peu comme mentionnait Colin, le fait de le recréer au sein de sa classe, parce qu'on sait qu'on va étudier un peu, s'intéresser potentiellement à des sujets similaires, et du coup de faire émerger au sein d'une classe des ressources qu'on trouve pertinentes, ça devient vraiment une
une compétence vitale dans l'environnement d'obésité informationnelle dans lequel on vit, quoi. Merci beaucoup, Lou. Effectivement, vous venez d'évoquer l'obésité informationnelle. Et c'est vrai que ces ressources libres, d'une certaine façon, me semble-t-il, vis-à-vis de vos présentations successives, permettent à la fois d'enrichir les bulles, enfin d'éclater, de faire éclater les bulles informationnelles ou les bulles Internet bien connues dans les usages sociaux, et de procurer de nouveaux horizons, de nouvelles façons d'être mis en contact. Et vous avez abordé aussi cette capacité à se centrer sur l'apprenant et à utiliser ses ressources libres et l'intelligence artificielle associée aussi pour mieux repérer les besoins et peut-être mieux accompagner, même si sur cette question-là, il y a encore du chemin à parcourir, vous l'avez dit également. Ce que je vous propose aussi, c'est on va checker un petit peu les questions. Une intervenante, une participante se questionnait, mais vous y avez répondu en partie, sur le fait des compétences des élèves les plus en besoin ou des publics les plus en besoin. Donc on vient aussi d'évoquer cette dimension-là. Il y a aussi des questions de rupture technologique que j'aimerais aussi aborder avec vous, en particulier sur la façon dont l'intelligence artificielle dans les ressources libres peut aussi générer de nouveaux contenus. On parle de textes générés, on parle d'images générées. Est-ce que sur ces, disons, technologies avancées, Eric, peut-être, vous souhaiterez évoquer l'avenir ? Oui, je pense que c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant, parce qu'on voit une évolution très rapide des IA et de la capacité à générer du contenu à la volée. Alors, il y a des choses qui existent déjà depuis pas mal d'années, par exemple des exercices qui seraient générés, pas par une IA, mais simplement par un programme scripté. Typiquement, en maths, en physique, c'est assez simple que chaque élève, par exemple, ait un exercice différent de son voisin. Donc, pour l'évaluation, c'est assez simple. Mais aujourd'hui, on a des systèmes qui peuvent générer de manière beaucoup plus souple des données vraiment intéressante. Par exemple, on sait qu'on peut générer des images juste avec une description aujourd'hui avec les IA. Demain, on pourra générer une vidéo entière à partir d'une description. Là, il y a très récemment des progrès vraiment impressionnants qui ont été faits sur certains algorithmes. Je crois que c'est GPT-3. Voilà, c'est plutôt Lou peut-être qui connaîtra mieux que moi et qui pourra en parler après, mais qui permettent de générer des textes éventuellement même dans le style d'un interlocuteur particulier qui sont extrêmement cohérents. On a aussi des IA qui permettent de générer des résumés, par exemple, ou d'analyser des réponses complexes. Donc, bien sûr, ça reste des IA qui ne comprennent pas vraiment de quoi elles parlent, mais en pratique, elles peuvent jouer le rôle de chat de professeurs de chat très très efficaces. Et je pense que là-dessus, on a des percées qui vont nous permettre de faire des outils d'aide à l'auto-apprentissage qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Merci Eric. Colin, peut-être sur ces questions-là, puisque vous avez des domaines d'expertise assez proches. Oui, enfin sur celui-là, j'en étais pas là. Moi, j'en étais encore à une idée qui est une idée phare des OER, c'est l'idée de remixer les ressources. D'accord ? Un des 5 R, un des 5 droits, on va dire, fondamentaux des ressources éducatives libres, c'est qu'un prof peut récupérer différentes ressources et les combiner pour en fabriquer une. Mais enfin, il y a quand même encore un être humain qui fait ce travail de remixage pour pouvoir construire quelque chose avec des petite complexité technique pour savoir comment faire, etc. Mais qui est quelque chose que tout le monde a envie d'encourager parce que c'est un peu sain le fait de pouvoir reprendre. Alors maintenant, Eric va plus loin. Lui, il est en train de proposer que ce ne soit pas un prof, mais que ce soit un algorithme qui remixe d'une certaine manière. Mais je ne l'ai pas regardé comme ça. Je dis juste que ça va être possible. Après, est-ce que c'est souhaitable, c'est un autre problème. Mais déjà, si on est capable d'aider le prof à remixer, c'est un peu ça le prochain projet qui m'intéresse, c'est de trouver des outils IA pour aider le prof à remixer. D'accord ? Parce que pour l'instant, le prof, pour remixer, il fait comme nous, on a toujours fait. Il va passer du temps sur le web, il va trouver des images ici, des bouts de texte là, des vidéos là-bas, et puis c'est un peu long, quoi. Donc peut-être qu'il y a mieux. Du coup, effectivement... poursuivre un petit peu cette disputation universitaire, on va dire. on voit bien qu'il y a deux directions nouvelles et prometteuses, à la fois la génération
de contenus nouveaux, de matériaux nouveaux, et puis l'enrichissement de ces contenus par la notation, le commentaire, le mixte, et deux directions certainement assez fécondes pour le libre, finalement, puisque ça renvoie aussi aux standards d'acceptabilité, aux droits d'auteur, aux licences communes, c'est-à-dire qu'on peut enrichir, transformer avec les ressources libres une ressource existante, l'améliorer, la proposer dans un contexte différent, en faire un autre matériau utile pour un autre public. C'est bien ça dont il est question ? Oui, c'est exactement ça. Simplement, pour l'instant, on peut le faire manuellement. Et une des propositions, c'est d'aider, de faire travailler les gens qui font de l'IA pour se demander de quelle façon est-ce que l'IA peut aider à ce que les profs fassent ça plus facilement. Ouais. Mais il y a quand même un côté sûr de quelque chose qui serait généré ou remanié par une IA. La question du droit d'auteur du contenu ainsi généré peut se poser. Hein. Et elle se pose pour des œuvres d'art, par exemple, générées par une IA, mais elle se posera de la même façon pour des exercices de cours qui auraient été générés par une IA, mais qui ne sont pas forcément complètement originaux parce qu'elle a pu s'inspirer ou récupérer des morceaux de cours ou qui sont pas forcément libres à la base ou sans forcément les citer. Enfin, je sais pas. Là, je pense que Lou, peut-être avec ce qu'elle peut voir dans d'autres domaines, ce serait intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Sur la partie droit d'auteur ? Oui, ou génération automatique de contenu dans des contextes différents de ceux de l'éducation. Ouais. J'avoue que nous, pour l'instant, chez Data for Good, on va pas forcément aussi loin sur ces sujets-là, mais sur l'importance de transformer, enrichir, améliorer, enfin en fait de produire des contenus libres qui puissent être transformés et améliorés par d'autres. C'est vraiment, ça nous parle beaucoup parce que c'est vraiment la base de Data for Good, c'est-à-dire que tout le code qu'on produit est open source et est créé dans l'optique d'être amélioré et contribué par d'autres. Et je pense par exemple à pour moi, une des plus grosses réussites sur lesquelles on a travaillé, c'est un projet avec Open Food Facts, qui est le Wikipédia en fait des produits alimentaires, qui est la plus grosse base de données sur les produits alimentaires dans le monde, qui a permis l'émergence de Yuka en France, par exemple, et qui est totalement amélioré en permanence et transformé par les utilisateurs et les gens qui l'enrichissent au quotidien de données et aussi de nouveaux algorithmes pour l'avancer. Alors après, j'avoue, je n'ai pas d'exemple concret de projets sur lesquels on est allé jusqu'à des IA qui généraient même du contenu. Je pense que un des sujets pour lesquels ça peut pas mal s'appliquer, c'est le fact-checking aussi, pour vérifier des informations et produire un contenu qui soit le plus proche de la réalité possible et du coup de lutter un peu contre les fake news. C'est un peu le projet le plus proche que je vois aujourd'hui. Merci beaucoup, Lou. Sur cette question encore, avant de passer à une question d'Isabelle, Isabelle Duchâtel sur le RGPD et la protection des données personnelles. Sur ce dernier sujet, en fait, il y a aussi un universitaire, c'est Olivier Ledeuf, qui évoque à Bordeaux, je crois, la nécessaire redocumentarisation des ressources comme le grand phénomène aujourd'hui de gestion des matériaux et des contenus pour l'enseignement et la formation. Donc, c'est un petit peu cette dimension-là que l'IA permet aussi de faciliter. Alors, je pose la question ouverte, hein, évidemment. Soit de faciliter, soit d'éviter. D'accord. Autrement dit, avec, en fait, c'est le mot caché derrière, c'est le mot des. J'ai vu que François Bocquet est là, donc je m'attends à le voir à écrire 10 000 trucs là-dessus. Mais le mot caché, c'est les métadonnées.
D'accord, c'est-à-dire que effectivement, dans un monde idéal, vous avez votre cours et puis c'est accompagné de plein de métadonnées où des gens très sérieux ont donné des choses simples comme le nom, la longueur, la licence, des choses comme ça, mais aussi des choses bien plus compliquées comme le niveau d'entrée, les prérequis nécessaires, les attendus pédagogiques, enfin des choses qui pour les pédagogues sont très importantes. Donc aujourd'hui, ces métadonnées sont remplies de façon inégale, ne sont pas utilisées de la même manière selon tous les sites. Et donc c'est un petit peu un cauchemar et c'est un peu l'endroit où les trucs coincent. Donc il y a trois options. La première option, c'est de faire sans, mais avec beaucoup de bruit. D'accord ? C'est ça le problème. Vous vous retrouvez avec du bruit parce qu'il vous manque cette information. La deuxième option, c'est de faire de l'apprentissage du machine learning et de l'IA pour essayer de remplir ces fichiers de métadonnées. Mais là aussi, on aura du bruit. Alors, ce qui est acceptable dans d'autres domaines, dans le domaine éducatif, ça embête plus, d'accord, d'avoir des données bruitées ou d'avoir des métadonnées qui seraient de temps en temps fausses. Et pourtant, c'est un peu le prix de l'IA que d'avoir ça. D'ailleurs, et la troisième option, c'est finalement de s'en passer complètement. C'est un peu ce que nous a appris le deep learning ces dernières années, c'est que c'était peut-être pas la peine d'avoir des grands tableaux tableau des grands vecteurs avec tous les attributs qu'on avait prévus à l'avance. Mais on laisse la machine d'une certaine manière choisir les dimensions dans lesquelles elle voit votre problème. Donc, on ne sait pas très bien aujourd'hui où est-ce qu'on va aller là-dessus. Donc, je ne suis pas très sûr que l'idée, ça va être à l'arrivée de se retrouver avec justement tout bien redocumenté comme on aimerait l'avoir. Là-dessus, nous, on a adopté une approche mixte avec WeLearn, par exemple, où on essaie d'extraire un maximum de choses automatiquement par l'IA. Mais comme le dit Colin, on se limite. On ne va pas sortir 50 champs bien prédéfinis. On va juste essayer d'estimer d'une part les concepts abordés par le sujet, par le document, et d'autre part, le niveau de difficulté. Et dans les deux cas, ensuite, c'est l'intelligence collective qui va corriger ces data. Donc, si une ressource est beaucoup utilisée... Excusez-moi. Pardon. Si ces ressources sont beaucoup utilisées, elles seront forcément remontées plus souvent et donc les gens verront ce que l'IA a suggéré et pourront l'améliorer. Donc en mixant l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, on espère que ça sera efficace, mais c'est encore très expérimental. Merci Eric. Je voudrais évoquer et prendre la question effectivement du RGPD et des protections des données personnelles. Dans cette personnalisation des fonctionnalités permises par l'injonction d'IA dans les solutions d'accompagnement, il y a forcément la gestion des traces d'apprentissage, hein, ou en tout cas les traces laissées par les personnes elles-mêmes, que ce soit pour la consultation des sites, de leurs cours, des traces qui vont de la consultation au temps de consultation. Donc, il y a aussi toutes ces dimensions qui sont pas nécessairement très rigoureuses encore aujourd'hui sur à la fois l'information des publics et puis l'exploitation, l'usage que ces traces permettent de faire au bénéfice souvent des publics eux-mêmes, en tout cas dans l'intention pédagogique. Comment vous êtes alerté vous-même dans vos pratiques ou dans vos projets sur ces questions-là? Est-ce que peut-être Lou pour commencer sur cette question? Vous n'avez pas mis votre micro, Lou. Alors, en attendant que Lou puisse rétablir le son, je crois qu'il y a un petit souci. Peut-être Eric Chérel. Le problème, effectivement, c'est qu'on a des données personnelles assez... C'est assez intrusif, en fait, potentiellement, ce que le système peut savoir sur vous. Si, en particulier, si on essaye de profiler vraiment chaque apprenant pour savoir où il en est, ce qu'il souhaite apprendre, là, la question de quelles données est publique, qui la possède, qui peut la valoriser, elle est essentielle.
Et c'est une des raisons pour laquelle il faut vraiment qu'on développe des alternatives aux GAFAM. Parce que ce n'est pas des données qu'on peut se permettre de laisser uniquement à la disposition de Google, Facebook ou Microsoft. Donc, on doit à la fois monter des solutions technologiques qui permettent à l'utilisateur de complètement contrôler sa donnée de manière transparente, idéalement dans des solutions open source. Et puis après, de choisir où est-ce qu'il veut la diffuser, à qui, comment, est-ce qu'il veut la supprimer, est-ce qu'il veut éventuellement la monétiser. C'est pas trop dans la philosophie française, mais ça revient beaucoup quand on voit nos collègues américains, par exemple. Eux, la data, au-delà de la protéger, ils veulent la monétiser. C'est leur vision des choses. Merci Eric. Est-ce que Lou a retrouvé la parole? Excusez-moi, j'arrivais pas à cliquer sur le bouton. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que le sujet du RGPD, des données personnelles et de l'éthique dans la data de manière générale, c'est un sujet qui nous parle énormément chez Data for Good et sur lequel ça fait plusieurs saisons qu'on porte des projets. Donc, je voulais particulièrement parler de deux projets. Le premier qui était le serment d'Hippocrate des data scientists, qui est une espèce de charte que l'on a construite et qui s'adresse à tous les artisans de la donnée, de la création des algorithmes à l'analyse, et qui est une sorte de checklist qui permet à chaque étape de la création de la donnée de se poser les bonnes questions pour savoir si ce qu'on fait est éthique, à qui elle va servir, à qui ces données vont servir, comment elles vont être recueillies, est-ce qu'on a vraiment besoin de les recueillir, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir des biais dans la manière dont on construit nos algorithmes. Donc l'objectif de cette charte, c'est aussi d'être un espèce de guide du data scientist au quotidien pour se poser les bonnes questions. Ça, c'est le premier projet. Et le deuxième, c'est un projet qu'on porte en partenariat avec Substra Foundation en ce moment et dont le but, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, est vraiment de faire émerger un cadre pour élaborer de manière participative et itérative une sorte d'évaluation de la data science responsable et de confiance. Donc, c'est un espèce de référentiel qui est librement inspiré de méthodologies de labellisation qui fonctionnent très bien, un peu comme B Corp, et qui permet à toutes les personnes et entreprises qui ont envie de s'évaluer, d'évaluer les approches qui ont été mises en place. Donc, en fait, il y a une trentaine de points d'évaluation qui sont regroupés en cinq sections. Et donc, du coup, ça fournit un score sur 100 points qui permet vraiment de savoir à quel degré de maturité on est en tant que projet et de suggérer plein d'améliorations pour faire toujours mieux, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Voilà. Globalement, c'est ça l'approche qu'on essaie d'avoir. Donc, l'idée, c'est que vraiment, en tant que nous, data scientists ou acteurs d'un projet, on doit tous se poser ces questions au quotidien pour aller vers une amélioration des pratiques. Merci Lou. Je vois que François Boquet a d'ores et déjà mis en ligne dans le chat le serment d'Hippocrate pour data scientist. Colin, peut-être sur cette question? Oui, 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 c'est une super question, vachement importante. Donc, l'expérience de Hexagon, c'est que ça a été un cauchemar pendant toute la durée du projet, ce problème de RGPD et de respect des données privées. Alors, ça n'a pas été un cauchemar parce qu'on s'est retrouvé attaqué, mais ça a été un cauchemar parce que, quelle que soit notre façon de présenter les choses, il y avait suspicion. D'accord, parce que clairement, il y avait une activité d'apprentissage, qu'on avait envie de s'appuyer sur les pouvoirs publics, sur les universités, sur des intermédiaires pour finalement permettre qu'il y ait du flux, qu'il se passe des choses. Et on a mis très longtemps à comprendre que, presque quelle que soit la garantie qu'on donnait, eux-mêmes avaient peur que s'il y avait un problème, on puisse leur dire « mais pourquoi est-ce que vous avez signé avec ces gens-là? Pourquoi vous avez fait ?» Donc, c'est vers la fin du projet qu'on a trouvé un bout de solution qui est ce que j'ai raconté tout à l'heure avec deux bouts de solution. Le premier bout de solution, c'est si vous avez vu l'IA que moi j'ai présenté, presque tout était en fait lié au contenu. C'est-à-dire, on prenait le contenu et l'IA était faite en amont au moment où on récupérait la data pour pouvoir finalement travailler sur le contenu là où donc le problème ne se pose pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on a fait avec Moodle. Donc avec Moodle, l'avantage de Moodle, c'est que c'est une plateforme qui est gérée par l'université ou par l'école, qui
d'une certaine manière, sert de pare-feu. C'est-à-dire que certes, il y a des traces qui sont faites, mais qui sont les traces que fait l'université de toute façon, et donc qui restent à l'intérieur de l'université. Et donc, en utilisant un outil Moodle, on peut clairement expliquer que les seules data qui sont en train de sortir du Moodle pour aller vers finalement la grande application Xsingon qui fait les recommandations ne sont plus des data d'utilisateurs ou d'utilisateurs, mais des data d'usage. C'est-à-dire qu'on sait qu'un groupe a regardé telle vidéo. Par contre, on ne sait absolument pas qui dans le groupe. Et comme s'il s'agit de faire une recommandation pour le groupe, ben ça suffit pour faire une recommandation de qualité. Donc, on réussit à monter d'un cran le problème en train de dire, bon, ben finalement, on fait de la modélisation de groupe et non pas des modélisations d'utilisateurs. Et de même, on ne reçoit d'aucune façon, ni par système de cookies ni autre chose, des data. Mais le problème est au moins autant psychologique que juridique. C'est-à-dire qu'il faut aussi convaincre les gens qu'on est en train de faire les choses très sérieusement et ce n'est pas si facile que ça. Merci Colin, je citerai volontiers une anecdote qui n'en est pas une, mais enfin notre problématique à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, où nous formons des cadres et où nous utilisons une plateforme Moodle qui s'appelle Magister. Et effectivement, notre problématique, c'est bien de qualifier les données de groupe de manière à vérifier la qualité des contenus et des dispositifs de formation qu'on leur propose. Mais effectivement, nous en sommes également à l'intersection, au moment un peu clé où nous souhaiterions plus personnaliser la proposition de formation et là aller plus vers l'individu. Et donc on est vraiment à cette limite à la fois éthique et à cette limite éthique et technique de ces solutions. J'ai envie de proposer à François Bocquet, qui est très actif sur le chat, éventuellement de monter sur scène, puisqu'il est en train de constituer un petit abécédaire de ce webinaire en essayant d'identifier des mots-clés. Donc, si François en est d'accord, je vais vous inviter sur scène pour partager avec nous ce moment-là. Donc je procède à votre invitation. Non, je ne peux pas vous inviter à monter sur scène visiblement. Peut-être qu'un membre de l'équipe peut tenter cette manipulation directement par le chat. Non, je ne peux pas. En tout cas, sachez que François Bocquet s'évertue à trouver les mots-clés de ce webinaire. Donc, il a déjà proposé un certain nombre de mots-clés, dialogue, médiation, indexation, cartographie. Donc, il se prépare à monter sur scène, visiblement, donc il va nous rejoindre. Mais donc, il faut que lui-même fasse le geste d'aller, je crois, dans la petite flèche à droite. C'est ça. Voilà. J'ai fait la pré-invitation. Il faut qu'il confirme. Nous aussi. Voilà, bien entendu. Parfaitement. Oui. Ben, bon. Ce que je vous propose, François, c'est d'évoquer un petit peu les termes un petit peu emblématiques que vous avez commencé à lister dans le chat et donner un petit peu vos sentiments et votre sentiment sur l'ensemble de ces remarques. Ah, on a perdu la connexion. On a perdu la connexion, donc on essaiera. Vous m'avez perdu, là. On vous voit. On ne vous voit pas, on vous entend, pardon. Ah bon. Ah, vous m'entendez, ben, c'est le principal. Oui, donc ben, j'ai essayé de repérer dans les différents blocs ce qui a été proposé. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent gérer tout ce qui est indexation, traduction, catégorisation. Donc là, c'est ce qui relève de. On a perdu le son à nouveau, François. On va de la préparation des données. Avec de puis ensuite il y a ce qui est-ce qu'il y a... Non, c'est très haché. Bon, mais ça va être trop compliqué. Bon, merci en tout cas de cette tentative. Alors pour moi, parce que j'ai pas de. Et puis on va reprendre le cours de ce webinaire, peut-être en prenant quelques dernières questions s'il y en a, et en laissant le mot un peu synthèse à nos intervenants.
Donc, je vérifie les questions. Pas de nouvelles questions à cette heure. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être un peu le mot de la fin, très intermédiaire évidemment, puisque ces technologies sont en cours de déploiement et intéressent un petit peu tous les acteurs de l'information, de l'orientation, de l'éducation en général et de la formation en particulier, me semble-t-il. J'étais juste avant ce webinaire sur un autre webinaire avec une avocate spécialisée sur les legal tech, donc sur la manière dont effectivement les univers juridiques s'emparent aussi de ces possibilités pour fluidifier un certain nombre de process ou apporter de l'aide à la décision ou de l'anticipation juridictionnelle. Donc, ça bouge aussi beaucoup de ce côté-là. Sur les ressources libres, si vous aviez un espoir, une ambition, un rêve même à formuler, lequel serait-il pour les 2-3 années qui viennent, sans ordre d'apparition, hein, ça peut être Lou, Eric ou Colin. Allez, la baguette magique, le rêve, ce serait lequel? Bon, je me lance. Moi, qu'on soit plus nombreux du côté des chercheurs, donc des chercheurs en IA, je ne dis pas que les autres ne sont pas le bienvenu, à travailler là-dessus. Donc, il fut un temps où ce n'était pas possible. Vous disiez aux gens, venez travailler là-dessus, ce n'était pas possible parce que le prix, le ticket d'entrée, c'est pour faire de l'IA, c'est les data, et le ticket d'entrée était trop cher. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est beaucoup moins cher. D'accord. Alors, les data utilisateurs sous ticket d'entrée continuent à être très chers, c'est ce dont on vient de discuter aujourd'hui, et pour cause, d'accord. Donc il n'y a pas comme ça c'est compliqué d'aller trouver des jeux de données qui vont vous permettre de faire ce que vous voulez. Par contre, le ticket d'entrée sur les ressources commence à être abordable, et donc des équipes qui font de l'IA pourraient passer du temps là-dessus. C'est des jolis problèmes de NLP, de système de recommandation, d'alignement, enfin toutes sortes de choses. Voilà, qu'on soit plus nombreux. Merci, Colin. Alors, allô ? Ouais. Moi, je dirais que nous, ce qu'on aimerait beaucoup faire, c'est développer plus de partenariats avec des acteurs diversifiés, c'est-à-dire travailler justement beaucoup avec des chercheurs, avec des gens du terrain, en fait, être beaucoup plus un centre de rencontre entre des acteurs très diversifiés, plus ou moins éloignés de ces problématiques-là, pour pouvoir vraiment mélanger du terrain avec de la recherche et des gens qui ont des compétences très techniques très poussées, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de proposer des solutions qui répondent le mieux aux besoins actuels et métiers des étudiants et des professeurs. Merci Lou. Eric, le mot de la fin ? Quelle responsabilité. Non, moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est au-delà d'utiliser l'IA, c'est vraiment l'approche centaure, où on n'est pas uniquement humain et pas uniquement IA, mais où on mélange les deux. Et ça, au CRI, on y croit pas mal. Et si on revient sur les ressources éducatives libres en tant que telles, on peut imaginer que pour les promouvoir, eh bien, si on voit émerger des ressources qui sont vues comme les plus efficaces, soit par l'IA, soit par l'intelligence collective pour apprendre, qu'on puisse promouvoir ces ressources en tant que ressources éducatives libres. Imaginons qu'au ministère, tous les ans, on aille chercher les 20 producteurs de ressources qui ont finalement été les plus reconnus par les apprenants eux-mêmes et par les profs à l'échelon national ou international, pourquoi pas ne pas récompenser financièrement ceux qui ont produit ces ressources-là pour les rendre libres et les promouvoir comme ressources libres à l'échelle globale. Donc ça sera aussi une façon de dépasser le côté « je fais de la ressource libre sur mon temps libre parce que je suis engagé personnellement », mais il faudrait que ce soit une vraie reconnaissance dans son travail et éventuellement financière si c'est des non-académiques qui produisent la ressource. Merci à vous trois. Donc, en résumé, hein, les rêves et les ambitions pour un avenir proche pour chacun d'entre vous, c'est d'abord plus de chercheurs et plus d'enseignants-chercheurs intéressés à ces thématiques-là ou sur ces thématiques-là, ce que nous disait Colin. Lou évoque la nécessité de travailler en partage, donc avec des focus groupes, avec des associations multimétiers, en associant le terrain et les acteurs pour le développement des solutions. Et Eric évoque finalement le pragmatisme que l'État, la nation,
et les citoyens en général pourraient adopter en reconnaissant, en valorisant les ressources de qualité et en essayant de travailler avec ces univers enrichis et ces auteurs enrichis autour de ces ressources éducatives ouvertes et libres. Écoutez, merci à vous tous, merci à Eric Chérel, merci à Colin de Garra, merci à Lou d'avoir participé à ce webinaire. Je propose d'y mettre un terme. Évidemment, les échanges seront maintenus et un certain nombre d'échanges d'informations se sont déjà tenus dans le chat et je suis à peu près certain que et Colin, et Lou et Eric seront disponibles pour partager avec vous, si vous le souhaitez, plus d'informations sur les chartes, sur les méthodologies techniques, etc. Et je vous souhaite une belle journée. Peut-être à nouveau dans d'autres webinaires de cette session francophone aujourd'hui ou demain. Donc merci à vous trois, merci aux participants et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Nicolas pour la modération, c'est très très efficace. C'était merci. Merci à vous. Au revoir. Et à très bientôt. Putain. Fermé. Donc, je suppose que le webinaire est coupé. On suppose, on ne sait pas si on ne dit pas des bêtises maintenant. Non, merci pas encore, beaucoup. Il reste 20 personnes connectées. Ne dites pas n'importe quoi. Bon. Très bien. Comme je n'ai pas la main pour le terminer. C'est la petite croix qu'il faut enlever là-bas, la croix à droite, je crois. Ping. Ah non, maintenant je vois, je fais rien du tout. Colin, tu as déconnecté. C'est bon.